Bon, Alexandre, contrat rempli encore ce soir, il est important de gagner. Oui, oui, 3 points, c'est très important. On a commencé façon canon, et puis après on balbutie un peu, on se relâche, c'est facile, on se la joue, on est des cakes. Alors bon, ouais, voilà, donc les mecs ils reviennent. Je me suis pas énervé, mais j'aurais rappelé un petit peu les enjeux. J'aurais rappelé un petit peu ce qui nous tendait les bras. J'aurais rappelé un petit peu la coupe. Voilà, que s'ils voulaient pas que mardi je leur mette des tampons en vidéo, qu'il fallait se reprendre. On l'a fait, on l'a bien fait, malgré tout on prend 10 buts, j'aime pas trop. Si on veut pouvoir aller au bout sur le dernier match, il va pas falloir prendre 10 buts. Hein. En match amical, je prends pas 10 buts contre Marseille, je prends pas 10 buts le samedi contre Noisy. Donc il y a un travail défensif à mettre en place. Maintenant, offensivement, tout le monde s'est fait plaisir. On a pu faire rentrer les minots. C'est une bonne chose, en espérant que ce soit pas la dernière victoire à domicile. Une image très sympa à la fin, avec 3 jeunes de la formation qui étaient présents dans le bassin. Hein. 4, on oublie Alexandre Chauffour, hein, il est encore jeune et il est de la formation. C'est une bonne chose, il faut savoir leur donner. Après, on va pas se mentir, hein, les mecs qui, les coachs ont fait rentrer les jeunes là à la fin, quand tout est fait. Ça va, ils ont pas la chape de plomb sur les épaules, donc on va arrêter. Je vais pas faire le fier de dire oui, moi, attention. Non, c'est bien, on met la formation. Maintenant, si tu conduis sur le parking, tu ne seras jamais conduire en ville. Hein. L'important, c'est de maintenir une certaine pression, une certaine rigueur sur l'équipe, car rien n'est encore gagné, rien n'est perdu aussi. Hein. Non, il y a encore un match à Lille à aller négocier, même s'ils sont lanterne rouge. Et puis, on a ce fameux dernier match où c'est octogone. Hein. On va mettre la cage, on va mettre les gants, on va mettre le protégeant et on va envoyer... En ce moment, ils sont pas au mieux. On a gagné nos deux derniers matchs amicaux. On peut y croire. Moi, en tout cas, j'y crois. Les joueurs y croient. Et puis Montpellier aussi, ils ont des matchs à gagner.